Bien. À cet instant, le public qui attend depuis trop longtemps manifeste son impatience par des applaudissements, des bruits, des cris, des manifestations corporelles diverses et variées. Merci. Merci. Je veux dire, on commence mal. Et puisque le public se montre furieux et veut que ce colloque débute, ce colloque va débuter. Puisque les gens sont furieux qu'on ne peut plus les tenir, qu'ils applaudissent à tout rompre et qu'ils cassent les fauteuils. Donc, nous allons commencer ici ce colloque dont le contenu sera riche, vous l'imaginez. Nous avons pour objectif de faire en sorte que vous quittiez ce château plus savant que vous n'y êtes arrivé, ce qui va quand même nécessiter une grande marge de manœuvre parce que je vois que nous avons face à nous des érudits, des gens de goût, des esthètes, enfin, à bien des égards, des gens qui s'y connaissent. Et nonobstant, puisqu'il faut débuter, nous avons le privilège d'accueillir ici celui qui est le maître des lieux, le maître de Chambord, et pour des raisons techniques, puisque François Ier n'est plus disponible depuis quelque temps déjà, c'est le directeur général du domaine de Chambord qui s'adresse à vous. Voici Jean Dossonville qui nous accueille. C'est une introduction extrêmement difficile à porter que d'être comparé à François Ier. Si déjà je pouvais être comparé à son intendant des travaux, j'en serais déjà très très honoré. Considérez-vous l'aide. Merci de, voilà. En tout cas, je voulais vous saluer tous, vous souhaiter la bienvenue, saluer les représentants du centre régional Équestre, de la Fédération française d'équitation, de la région, les experts élus qui sont parmi nous, et puis vous remercier d'avoir bravé la canicule pour venir à Chambord le samedi matin pour ouvrir ces 500 cavaliers à Chambord. On est très fiers d'accueillir cette manifestation. Et pour nous, elle a évidemment le caractère naturel des 500 ans de Chambord. Et je dis toujours, au fond, le message de ces 500 ans, c'est d'abord le miracle que Chambord soit toujours là. Pensez à ce qui est advenu, malheureusement, de façon dramatique à Notre-Dame de Paris. Au fond, l'intérêt de cet anniversaire, c'est tout simplement la joie que Chambord soit toujours là, ce patrimoine qui est vraiment l'un des premiers de l'humanité. Et peut-être aussi que cet anniversaire, il nous permet de le regarder autrement et de se rendre compte que ce qui nous est familier a beaucoup, beaucoup de valeur, que c'est vulnérable. C'est un peu comme la vie, c'est un peu comme l'amour. Ce sont des choses qui sont extrêmement précieuses et que c'est aussi une fierté pour les Françaises et les Français d'avoir ce patrimoine qui dit quelque chose de notre pays, de notre nation, et aussi de notre capacité à travailler avec les autres, en l'occurrence les Français et les Italiens, et puis à s'ouvrir au monde, puisqu'on reçoit ici beaucoup, beaucoup d'invités. Alors, les chevaux ici ont droit de citer depuis toujours, et je me dis en fait que le cheval est sans doute le témoin méconnu de ces 500 ans, parce qu'il a toujours été présent à Chambord. Bien sûr, il a toujours été présent sous la forme du cheval traction, c'est-à-dire pour les travaux agricoles. On s'en rend moins compte aujourd'hui parce qu'il ne nous reste plus qu'une exploitation agricole. Au XVIIIe siècle, il y en avait à peu près une vingtaine. Il y avait des chevaux évidemment partout dans les fermes. Et plus de la moitié des 5500 hectares étaient dédiés à l'agriculture ou à du pâturage. Il y avait le cheval de chasse à cour, qui était extrêmement présent ici. Qui, lui, a disparu sous cette forme d'activité, pas de façon ponctuelle, parce qu'on accueille parfois en représentation des équipages de chasse, mais en tout cas comme activité continue, puisque la dernière personne à avoir servi un cerf ici, c'était un futur ministre de la Culture, en l'occurrence Maurice Druon, encore tout jeune, auréolé de la gloire de la Résistance, et qui a servi ici un daguet. Alors il disait qu'il avait servi une tête royale, c'est un très grand cerf majestueux, mais dans le pays on sait que en fait c'était un daguet, ce qui est également très difficile à servir en réalité. Le cheval de cavalerie, le cheval d'armes, a pas toujours été présent, mais en fait quand même beaucoup, parce que bien sûr François Ier, c'était ce qu'il montait, et la question aussi de la renaissance de l'équitation française, en fait, c'est cette question aussi de l'équitation militaire. Nous avons ici eu deux régiments de cavalerie au XVIIIe siècle, ceux du maréchal de Saxe, dans les écuries en ruine qui avaient été construites à la demande de Louis XIV par Ardoin Mansart, donc un de ses plus grands architectes, qui n'ont pas été vraiment terminées, mais qui avaient été couvertes ensuite.
et on faisait l'exercice sur la place d'Armes. C'est exactement là où il y a la grande carrière devant nous, dans ce rond de tilleul. Le rond de tilleul, il date de 1756. Et en fait, cette place d'Armes n'a jamais été aussi bien tenue qu'aujourd'hui, puisqu'il fallait imaginer qu'autrefois, lorsqu'il y avait le piétinement d'un régiment de cavalerie, c'était un petit peu plus peut-être pelé qu'aujourd'hui. Et donc, je me réjouis de penser qu'une fois que les 500 cavaliers seront passés, nous allons retrouver un état un peu plus proche de ce qu'on pouvait vivre au XVIIIe siècle. C'est un des intérêts aussi de la manifestation. Je parlais du cheval traction, le cheval de trait, celui-là, peut-être que nous allons le retrouver, peut-être pour l'exploitation de la vigne, c'est un de nos projets, peut-être pour l'exploitation de nos potagers que nous avons rétablis et que nous faisons en permaculture, donc en bio-intensif. Le cheval de cavalerie, eh bien, il est toujours présent aujourd'hui grâce à la présence du poste à cheval de la garde républicaine. Ce poste à cheval est présent à Chambord depuis 1972. C'était le président Pompidou qui avait demandé qu'il soit installé ici, à l'époque pour les chasses présidentielles, et puis on s'est rendu compte que pour un site qui était extrêmement visité par le public, c'était en fait un facteur de sécurité, d'apaisement, de dissuasion. Et puis dans le contexte vigipirate que nous connaissons, nous sommes, nous, très heureux, mais c'est quelque chose qui avait été validé aussi par la Cour des comptes. Nous sommes très heureux et il était évidemment très utile d'avoir cette présence de la gendarmerie ici. Gendarmerie qui a aussi un lien avec Chambord, puisque c'est François Ier qui crée la gendarmerie, on dirait départementale aujourd'hui, mais si vous voulez, les unités en fait terrestres. Et puis c'est aussi la gendarmerie à cheval qui mène la charge à la bataille de Fontenoy, qui est la grande victoire française contre les Anglais au XVIIIe siècle, et qui est gagnée par le maréchal de Saxe pour le compte de Louis XV. C'est une des raisons pour lesquelles Louis XV lui donne Chambord en apanage. Alors, nous avons aussi le cheval de spectacle, avec le spectacle équestre ici, depuis peut-être 30 ans, 40 ans aujourd'hui. Alors, il faut dire que nous aimons bien le spectacle, nous aimons bien un peu nous mettre en représentation, nous aimons bien faire un peu notre cinéma. Et c'est aussi pour ça que nous sommes très fiers d'accueillir ces 500 cavaliers pour les 500 ans de Chambord, avec une dimension supplémentaire sur laquelle nous travaillons. Il y a Laurent Savignac qui est parmi nous aujourd'hui, et je le remercie de ses contributions, de son expertise. Nous travaillons là-dessus avec la région, avec le département, avec nos partenaires, avec le Creux, avec la Fédération française équestre, bien sûr, et ce sera aussi tout l'enjeu de la route d'Artagnan. Nous travaillons sur ce projet, cette très juste ambition de développer le tourisme équestre. Alors le tourisme équestre, bien sûr, l'idée n'est pas que nous allons avoir des flux de visiteurs en comparaison du million de visiteurs qui visitent le château, ça n'est pas ça. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est cette idée de prendre le temps de découvrir nos paysages, de relier des lieux de patrimoine, et au fond d'être dans une démarche très qualitative, très respectueuse de l'environnement, et avec aussi des étapes équestres, donc des gîtes équestres. Pour ça, nous allons travailler les pistes équestres. Nous avons des pistes équestres. On ne peut pas dire qu'elles soient aujourd'hui d'un niveau qui est conforme aux attentes des pratiquants. Nous en sommes conscients, mais nos moyens sont limités. Nos charges sont considérables en pistes, en entretien de murs, de bâtiments. Et donc, c'est pour ça que dans un travail collectif, nous pensons que nous pouvons remettre l'étape de Chambord à niveau et en faire quelque chose d'important. Ce que je trouve remarquable dans l'idée de la route d'Artagnan, c'est le fait de relier ensemble des lieux de patrimoine qui ont fait la France. Je pense au nord de Paris, à Chantilly, à Villers-Cotterêts qui est un château de François Ier, alors qui est un vrai relais de chasse par rapport à Chambord, Versailles, bien sûr, et puis Chambord ici, et les autres châteaux de la Loire. C'est quelque chose de très important, l'idée de relier le Val de Seine, le Val de Loire, et c'est une circulation naturelle. Et puis, mon dernier mot ici, mon dernier mot d'accueil, ce sera pour les pratiquants, les équitants, les cavaliers, qui en fait, pour la plupart, sont de jeunes cavalières. Et ce que je trouve très beau dans l'équitation, c'est qu'au fond, c'est une incarnation de l'avenir. On parle toujours du cheval comme une sorte d'héritage du passé. En réalité, aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, ceux qui montent à cheval, ce sont des jeunes, et ce sont en général des jeunes filles ou des jeunes femmes,
et donc c'est d'elle, dans notre société, que dépend l'avenir. Donc, le cheval ici a toute sa place, mais aussi les cavaliers et les cavalières, et à tous, bienvenue à Chambord, merci d'être là. Merci infiniment. Monsieur le surintendant général des bâtiments et du domaine de Chambord. Et je remercie Daniel de nous avoir montré ce qu'il ne faut pas faire pendant ce colloque, c'est-à-dire laisser son téléphone portatif sur une position sonore. Je vous remercie donc de bien vouloir dès maintenant mettre votre téléphone portatif dernière génération sur vibreur ou sur silencieux peu me chaud. L'important, c'est qu'il ne sonne pas pendant la prise de parole suivante, notamment celle du président du comité régional d'équitation Centre-Val-de-Loire, Pascal Debout, qui avance jusqu'à la tribune et que vous applaudissez particulièrement chaleureusement parce que vous êtes fier et heureux de le voir ici, vous lui trouvez bonne mine et vous êtes content de l'entendre s'adresser à vous. Voilà. Merci beaucoup. Juste quelques mots puisque pour vous accueillir ici. Franchement, je suis un peu même intimidé par rapport à l'événement qui est en train de se passer. Et je suis très content que ce qui se passe surtout ce matin, aujourd'hui ici, en ce samedi, parce que la dimension de ce colloque donne toute la dimension à l'événement, puisque si on aura des choses qui seront spectaculaires, des choses qui seront plutôt qui s'adresseront à du grand public, on est content, je suis très, très fier qu'aujourd'hui, on ait des gens qui réfléchissent sur l'équitation d'hier, de demain et de demain. Donc franchement, merci beaucoup. Moi, je tiens à remercier parce que c'est vraiment un projet un peu fou qu'on a eu là, ces 500 cavaliers. Il y a plus d'un an, il y a des personnels que je vois au bout de la salle de Chambord qui sont venus nous voir en disant il faudrait réfléchir à une dimension cheval à Chambord. Alors, quand on a entendu ça, on s'est dit surtout, on ne va pas passer à côté de l'occasion qui nous est donnée. C'est vrai que Chambord, c'est quand même un endroit magnifique et nous, cavaliers, on fait que rêver de monter à cheval ici. C'est vrai qu'à ce moment-là, on était justement avec la région à travailler sur les itinéraires équestres. C'est un gros travail qui a été fait par le comité régional d'équitation au niveau des itinéraires aujourd'hui qu'on développe en région. On a une volonté politique de faire de la région Centre-Val-de-Loire une des premières régions de tourisme équestre en France. Et quand vous arrivez ici, et quand vous arriverez à cheval peut-être demain, je crois que vous pouvez qu'en être persuadé. Aujourd'hui, on a un patrimoine qui est énorme, qui est vraiment de qualité, qui allie des chemins de qualité, des chemins sablonneux. Il y en a plein. En soi, honnêtement, vous pouvez vous promener n'importe où c'est possible. Aujourd'hui, il y a des hébergements. Et il y a aussi cette nature qui est très riche au niveau de la faune et de la flore. Et également aussi tout ce lien culturel que sont les châteaux, la Loire et compagnie. Donc, je ne vais pas m'étendre plus, je ne suis pas un conférencier. Mais à un moment donné, c'est vrai que ce travail qui avait été fait par nous, est un vrai travail depuis des années, un travail de collecte des itinéraires. On les a numérisés et maintenant on les a même balisés, puisque le directeur, M. de Sonville, parlait tout à l'heure justement d'intramuros sur Chambord. Il faut savoir que le travail sur la route européenne d'Artagnan, à l'heure où je vous parle, a été fait sur 264 km. Aujourd'hui, donc, on a 264 km qui ont été réfléchis et c'était important pour nous, parce que c'était de prendre des bons chemins. Il ne s'agissait pas de trouver des itinéraires, parce que trouver des itinéraires, il y en a partout. Mais si vous voulez faire venir des gens à cheval, il faut qu'ils aient une haute qualité de tourisme équestre. Il faut qu'à un moment donné, ça soit parfait. Et bon, je n'ai pas dit qu'on était parfait sur nos 264 km, mais on n'est pas loin. Puisqu'on va au bord de Loire, on est en Sologne. Donc franchement, on a un bon travail qui a été fait. Aujourd'hui, 264 km, avec autour des deux grands axes qui se croisent à Chambord. L'axe qui va de Loupiac, la route royale, qui démarre à Loupiac dans le sud de la France et qui finit à Maastricht où est mort d'Artagnan, donc là-bas aux Pays-Bas. Et l'autre axe, qui est l'axe des Cardinaux, donc qui est plutôt est-ouest, et qui croise à Chambord. Pour l'instant, nous, on travaille sur quatre axes. Hein, le premier qui est déjà à Orléans et qui un jour devrait rejoindre Fontainebleau. Un autre axe qui est aujourd'hui à la Motte-Beuvron et qui un jour devrait, qui est à Chaumont-sur-Tarente. On a un problème d'autoroute au milieu à passer. Et qui devrait un jour arriver jusqu'à Sancerre. Un troisième qui va sur Amboise. Et le dernier qui va sur Valençay. Donc voilà, c'est les quatre axes qui sont aujourd'hui faits. C'est balisé, on peut y aller. On a encore du travail de répertorier les hébergements, mais ça va le faire. Franchement, on a un bel outil de pratique du tourisme équestre en région et on en est fiers et on l'inaugurera demain. Ici, avec le président Bonneau, président du conseil régional Centre-Val-de-Loire. Donc, ce projet-là, on voulait le mettre en valeur. Honnêtement, ici, on ne pouvait pas faire mieux.
Et on est parti sur une idée. C'est vrai que la région a proposé depuis un moment de travailler sur la thématique des 500 ans de la Renaissance, les 500 ans bien sûr de la première pierre de Chambord, mais les 500 ans de la Renaissance. Et pour nous, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cavaliers, la Renaissance? Et très vite, on s'est rendu compte, alors je ne suis pas tout seul, et franchement, je tiens à les remercier, je ne voudrais pas en oublier, mes quatre acolytes qui m'ont vraiment aidé depuis le début, qui ont travaillé sur l'idée, qui étaient au comité de pré-pilotage. Je pense bien sûr à Daniel Lambert, je pense à Pascal Marie, à Guillaume Henry et à Alain Franqueville, qui depuis le début sont mis à réfléchir sur le sens qu'on pouvait donner à cette manifestation. Parce que faire une manifestation grand public, ce n'était pas que l'objectif, même si elle sera grand public demain, je l'espère. Mais quelque part, c'était aussi donner du sens, et quel est le sens qu'on peut donner. Aujourd'hui, la Renaissance, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était quelque part un peu la naissance, puisqu'on passait d'une équitation utilitaire à une équitation savante, mais ça, je laisse les conférenciers en parler beaucoup mieux que moi cet après-midi, dans la journée. Donc c'est vrai qu'on a voulu donner, et c'est là où on a trouvé toute la dimension de la manifestation. On avait cet écrin magnifique qui est Chambord, on avait une mise en valeur des itinéraires de Trousse-Méquès, mais on avait un vrai sens, celle de fêter les 500 ans de l'équitation savante, celle qui nous fait vibrer aujourd'hui et qui nous fait vibrer pour beaucoup des cavaliers. Beaucoup de cavaliers. On a donc demain une grande manifestation avec, je remercie le cadre noir, la garde républicaine qui nous font l'honneur d'être présents, mais aussi pas mal d'ambassadeurs, de cavaliers qui feront des choses, mais aussi des cavaliers de club qui seront là demain. 500 cavaliers qui seront en costume. En costume, la règle du jeu était simple. Depuis 500 ans, on est venu à Chambord, tout compte fait, dans les 400 premières années, à cheval. On n'est pas venu en voiture. Donc on a dit, vous venez en costume demain, entre 1519 à 1919. On s'est arrêté à peu près. Bon, c'était une façon de couper à un moment, en disant peut-être qu'après 1919. Bon. Les puristes me diront que le choix n'est peut-être pas le meilleur. Mais bon, à un moment donné, c'était ça. Et franchement, je vais vous laisser travailler sur les travaux. Et je connais la plupart des intervenants et je suis sûr de la qualité qu'il va y avoir aujourd'hui. Mais merci à eux, à tous ceux qui ont participé à cette grande aventure, qui commence ici par un moment très fort de l'aventure des 500 cavaliers, qui donne un vrai sens à notre région et sur la qualité équestre de la région de Centre-Val-de-Loire, puisqu'on veut absolument que notre région soit une région reconnue en tourisme équestre, mais globalement sur une région qui est une région de cavaliers. Hein, on est quand même ici près de notre siège fédéral de la Motte-Beuvron, où se passent des grands événements nationaux tous les ans. Et donc voilà. Merci à vous d'être là, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est vous qui donnez le sens à l'ensemble de la manifestation. Et donc je vous souhaite une bonne fête des 500 cavaliers pour les 500 ans à Chambord. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Président du Comité Régional d'Équitation Centre-Val-de-Loire. Après ces préliminaires, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques explications sur le mode de fonctionnement de ces interventions que vous allez suivre dans quelques instants sur cette tribune. Les orateurs se sont vus attribuer chacun un temps de 20 minutes, puis 5 minutes d'échange avec le public, de questions. Donc, je passerai parmi vous avec un micro pour entendre et prendre vos questions, et les orateurs y répondront. Au bout de 20 minutes, si les orateurs n'ont pas terminé leur allocution, je me tiendrai au pied de la scène. Si ça ne suffit pas, au bout de 21-22 minutes, j'entonnerai une mélodie de la Renaissance ou alors une chanson militaire afin de leur faire comprendre qu'il faut définitivement conclure. Ces choses étant bien établies, il est temps maintenant de céder la parole à celui qui, au bout d'impatience depuis déjà un moment, il piaffe, pour prendre une image qui nous est chère en la circonstance, ce qui est l'apanage, cette impatience de la jeunesse, et donc la sienne. Nous cédons la parole à Alain Franqueville, dont nous avons parlé tout à l'heure et dont nous demandions s'il était une légende urbaine ou s'il existait vraiment. Nous avons maintenant la réponse à notre question. Naissance et renaissance de l'équitation française, l'étonnant parcours d'un art des apparences. Il est temps maintenant, il vous appartient de l'accueillir particulièrement bruyamment pour lui faire comprendre que vous êtes content de le voir. Voilà, un bruit. C'est parti pour 20 minutes. Bien, j'ai la lourde charge de démarrer, d'ouvrir ces conférences. J'ai choisi un thème, mais bien sûr en accord avec l'organisation, qui est un peu quand même historique et qui permet de rentrer par les origines de l'art équestre. C'est effectivement une profonde transformation, ce grand bouleversement social, culturel, artistique que l'on nomme Renaissance, marque une étape majeure de l'histoire de l'équitation.
J'essaierai de situer ces évolutions dans le contexte historique et social qui pousse à faire évoluer les techniques équestres d'un côté, de les transformer au fil des années, et des modes du moment. Le véritable moteur de ces évolutions étant le changement progressif des finalités qui passe du domaine martial à celui du spectacle de cours. L'esprit de compétition perdure pour donner une place centrale au cheval au fil des années. Me mettre un peu de côté, c'est là que ça se passe. Donc la première étape, c'est le modèle chevaleresque. Il s'agit de dominer parce que la finalité martiale est au premier plan. Effectivement, on voit à travers un certain nombre de gravures les conditions, la réalisation des combats et l'équitation relativement simpliste qu'on devait avoir. À gauche, vous avez un extrait du livre des tournois du roi René, qui était le premier type de tournoi où on était en groupe. La chasse, bien sûr, et puis quelque chose qui va faire évoluer la technique, la joute. Il s'agit bien sûr de se présenter, mais de rompre en lice, comme dit l'expression. Et cette technique va amener plus de précision. C'est très important dans l'évolution. Il s'agit pour le chevalier de vaincre. Or, l'imaginaire chevaleresque est au plus fort lors des guerres d'Italie, mais c'est aussi le déclin de la cavalerie lourde. La cavalerie lourde avait très peu de mobilité, alors que la cavalerie n'est pas encore légère, puisqu'elle est quand même lourdement armée, mais elle est plus mobile qu'au départ. Du coup, on passe du tournoi qui était en paquet, on l'a vu avec le roi René, à quelque chose qui va exercer le cavalier de manière individuelle, par des jeux d'exercice qui seront violents au départ et qui vont au fur et à mesure évoluer dans la technique. Voilà un exemple de guerre où on voit les cavaliers groupés qui attaquent ce qu'on appelait la piétaille, alors que d'un autre côté combattent ensemble des lanciers à pied, les lansquenets. On a donc dans cette gravure la représentation de tout ce qui se passait à l'époque, donc avec des nécessités techniques extrêmement limitées. Donc le cavalier va s'entraîner d'une part à être plus précis avec sa lance et combattre son adversaire en le piquant de la lance, ou bien en restant en groupe. Donc il doit être capable également de se battre de manière armée, donc avoir un cheval qui va être suffisamment sage, immobile, pendant qu'il tape en gros sur son adversaire. Alors, c'est pas seulement la Renaissance, c'est pas seulement en Italie, puisqu'on voit également aussi une gravure d'Albrecht Dürer qui montre encore un tournoi. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de particulier où les gens simulent finalement le combat. C'est avant la joute, mais ça a duré un certain nombre d'années. En tout cas, c'est une gravure de Dürer. Et à droite, il a représenté un chevalier. Et là, on va regarder d'un petit peu plus près comment sont armés les chevaliers. C'est sûr qu'ils sont protégés par une cuirasse. Donc, tout de suite, ça impose une certaine lourdeur et peu de mobilité. Mais c'est en Italie, à la cour de Ferrare, que aussi se diffusait cet imaginaire chevaleresque. On connaît bien l'Arioste, qui a écrit l'Orlando Furioso, dont on a un opéra est assez connu, et c'est un grand succès de la littérature chevaleresque, et qui montre bien les différentes étapes et qui reflète bien cette époque particulière où on va sortir d'un combat de chevalier à quelque chose de différent. Et là, on a, à travers cet ouvrage, quelque chose qui reflète l'équitation de l'époque. On a également des tableaux qui nous représentent ce qu'étaient les chevaux. Là, on avait l'entrée de Charles VIII. Et puis, on a également une bataille à Ravenne où on voit encore la masse des cavaliers en haut à droite qui finalement attaque un groupe, mais on voit bien que là c'est encore quelque chose d'une cavalerie un peu soudée, en paquet. François Ier, dans la célèbre bataille de Marignan, donc le roi de France lui-même était armé, il était protégé, il portait ses couleurs, c'est évident, mais en gros il avait une adresse suffisante et des chevaux qui étaient
suffisamment mis. On va aller un petit peu dans le détail de la manière dont les chevaux étaient et ce qui se passait à cette époque-là. Donc, en fait, cette société de la Renaissance est en pleine mutation, elle va adoucir les mœurs. On va passer progressivement du chevalier au cavalier. Alors, c'est un contraste entre le faste des cérémonies avec un raffinement vestimentaire extrême et la violence des engagements lors de jeux d'exercice, parce que dans les exercices, et on le verra avec Henri II, on a une vraie bataille, c'est-à-dire c'est pas du, on fait pas semblant, hein, et il faut arriver à ce qu'il y ait la mort de Henri II pour que on interdise ce type de tournoi ou de carrousel. Après, pour aller vers le carrousel. Donc ces joutes furent remplacées par les carrousels et des jeux d'exercice qui étaient moins violents. C'est là qu'on se met à attaquer des quintaines, donc des masques ou des figures qui sont posées sur des piquets au lieu de taper sur un adversaire en vrai. Et ça, c'est un changement. Et ça va amener aussi un changement dans les techniques. Ça, c'est Henri II, où on voit ici la joute, où l'orgue... ça, c'est en fait encore la faute des commissaires, parce que les commissaires au paddock, finalement, ils n'ont pas fait leur travail. En fait, l'adversaire d'Henri II l'avait touché dans un premier passage, et la règle disait à l'époque que quand on touchait l'adversaire, même si on ne le faisait pas tomber, il fallait changer de lance, parce que la lance était un petit peu brisée. Donc il est revenu tout de suite à la charge avec cette lampe un peu brisée. Et la lance, normalement, elle avait une souplesse qui fait que, comme un roseau, c'était des lances d'exercice, c'était pas une lance de guerre, mais le fait d'être comme un roseau faisait que, quand elle se brisait, puisqu'on appelait ça rompre en lice, elle se détournait complètement du cavalier. Donc elle allait de côté. Mais là, comme elle était un petit peu brisée avant, quand il a touché, pour le deuxième coup, le roi, eh bien la lance, au lieu de partir complètement de côté, elle s'est un petit peu partie de côté, et elle a traversé la tête. Et le roi est mort quelques jours après, avec Ambroise Paré qui est venu constater, mais on ne rentre pas dans les détails. On est sur quelque chose qui va aller vers notre sujet, les apparences, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sort de la chevalerie et on va vers quelque chose de beaucoup plus fin, même si les morts sont encore puissants. Donc l'équitation des cures italiennes de la Renaissance, on a des auteurs importants qu'on ne connaît pas toujours, on ne connaît que Grisone et Fiaschi, mais il y a Picardini, Pignatelli, Grisone, Fiaschi, Corte, Pavari, Caracciolo, ce sont des gens qui ont écrit. On va certainement en parler avec une intervention suivante, je ne détaillerai pas. Donc ce sont les auteurs qui vont témoigner de deux choses, les équipements et les techniques de l'époque. Et au fur et à mesure, on va avancer dans la précision, mais également dans l'affinement des pratiques équestres. Celui qui est le plus connu, parce que son ouvrage est très bien illustré, c'est Pluvinel, qui avait été en Italie, mais il n'était pas le seul. Mais en tout cas, lui, il a fait un livre très intéressant, avec beaucoup de planches qui nous sont très intéressantes. Là, on a Picardini, où on voit le type d'équitation, et puis Pignatelli, dont on a retrouvé un document récemment, c'est passé dans une vente récente à Paris. On trouve toujours des documents, donc je pense qu'on va améliorer un peu notre connaissance de l'équitation de l'époque, parce que souvent, on a une interprétation un peu fausse de l'équitation de cette époque-là, à travers des commentaires un peu du 19e, qui n'était pas fort, qui n'était pas faux totalement, mais qui était parfois un peu incomplet. Alors, il faut quand même avoir une conscience précise de ce qu'on utilisait à l'époque. Aujourd'hui, on nous fait un peu la bataille pour dire hein, la bride, le machin, il faut mettre le filet, etc. À l'époque, voilà le type de caveçon. Donc, il y avait une chaîne qui remplaçait le caveçon ou bien des caveçons à pointe qui permettaient d'obtenir la soumission. Ça ne veut pas dire qu'on blessait les chevaux, mais c'était clair. Si le cheval, il tirait, il ne s'arrêtait pas, on avait les moyens. Hein. En gros, c'était une espèce de direction assistée. Alors, si on en abuse, on rend le cheval fou, donc ce n'est pas possible. Mais si on est extrêmement attentif, on peut avoir, au lieu de tirer fort pendant longtemps, comme on voit des tas de cavaliers aujourd'hui, là, on ne tirait pas fort et pendant pas longtemps. Donc, si vous voulez, l'équitation va évoluer grâce à ces moyens, mais je pense que nous avons une intervention beaucoup plus détaillée sur les embouchures. Alors, on va aller vers un art de plaire à la cour. Ça, c'est la nouvelle mode, donc l'équitation de cour, mais ça, en fait, c'est une évolution qui a été très lente. Donc, il s'agit de quoi faire ? De séduire et de plaire par l'équitation.
placere, hein, en latin. Alors l'apparence corporelle va jouer un rôle essentiel à travers les chevaux, les harnachements, les costumes. Donc on a vraiment une mode, et ça c'est vraiment le fruit des Italiens, c'est pas que les tailleurs et la mode italienne d'aujourd'hui. Déjà là, ils étaient ils influençaient beaucoup, et c'est eux qui fixaient la mode. Donc on a une élégance des costumes, mais la puissance des moyens. Vous voyez à gauche le type de mort, et vous voyez sur le cheval qui est embouché de manière dorée, la longueur des branches, c'est vraiment... Et il n'y avait pas de filet, hein, ça n'existe pas. Là, il y avait une reine qui allait au banquet du mort, mais ça s'appelait la fausse reine, c'était en toile ou en corde. D'ailleurs, le cadre noir utilise toujours cette distinction, puisque la reine de bride est en cuir et la reine de filet est en toile. Et normalement, quand vous regardez les gravures, les photos, etc., la reine de toile est détendue. On monte sur la bride, mais pour montrer qu'on a effectivement le contact doux et que la main n'est pas trop forte. Parce que si vous montez fort sur la bride, le cheval s'enferme. Et là, c'est l'horreur. C'est pas bien vu du tout. Alors l'art de plaire va s'enseigner en Italie, qui fixe la mode en poussant l'équitation à évoluer vers un art des apparences. Ferrare, Naples. Donc on regarde là, on voit effectivement des tableaux de l'époque qui sont très intéressants. À droite, c'est un tableau qui est à Madrid. Donc c'est vraiment quelque chose qui révèle ce qui était, parce que le peintre, il n'a peint que ce qu'il voyait. Il n'a pas inventé les choses. Alors on a également des tableaux, là, ça c'est très intéressant, parce que c'est à San Romano, on voit la lourdeur avec la lance, comment sont attaqués les gens. Mais il y a un élément qui m'a intéressé, parce que c'est souvent à Saumur, autrefois on avait dans les commentaires qu'on utilisait les sceaux d'école servaient dans les batailles. Faux, totalement faux, et on va avoir la preuve. Mais on voit ça, on a cette croupade, mais c'est la seule, hein, vous pouvez chercher dans toutes les représentations, c'est la seule qu'on voit, et il ne s'agit pas d'attaquer l'adversaire. Hein, parce qu'en fait, on a quelqu'un qui a fait passer sa vie en grande partie à cheval, c'est Montaigne. Il a quand même été, au moment où il était nommé maire de Bordeaux, il était en Italie à cheval, et il a pris son temps pour rentrer. Et il écrit dans ses essais, souvent on n'a pas lu cette partie-là, mais elle est très intéressante, il y a tout un chapitre qui est long, fait plusieurs pages, 29 pages, et dans ces 29 pages, il y a quelque chose de très intéressant, puisqu'il dit qu'en la bataille de Fornoux, le cheval du roi Charles VIII se déchargea à ruades et penades, c'est l'équivalent des ruades, ce fut un grand coup de hasard, s'il est vrai. Ça, c'est la main quand même de Montaigne, donc ça veut dire clairement que les sceaux d'école n'étaient surtout pas enseignés pour faire la guerre. D'abord, quand on a monté les sceaux d'école, quand on voit la complexité de la préparation pour arriver à en sortir un ou deux, on se dit non, surtout qu'ils ont fait 300 km, ils sont sous la cuirasse, le machin. Infaisable. Mais ça a été dit autrefois au Carousel, à Saumur, on disait ça. Bon, faux. Donc c'est une preuve que les sceaux d'école n'étaient pas destinés au combat, mais à l'école des cavaliers. Alors quelque chose d'important va apparaître, c'est la notion de courtisan qui met en avant la sprezzatura, c'est-à-dire la désinvolte, qui montre que ce que l'on a fait est venu sans peine, sans force et presque sans y penser. Avec un je ne sais quoi que Balthazar Gracian nomme El Despero. Ce sera repris par Vladimir Jankélévitch qui va justement détailler dans le je ne sais quoi, El Presque Rien. Il explique cette chose-là. Et j'ai été voir, effectivement, c'est vrai, c'est intéressant. Et même, on cite, Jankélévitch parle de Louis XIV qui montre ce je ne sais quoi d'élégance. Alors, on a. Voilà. L'art des apparences est cette grâce qui séduit et qui charme avec un je ne sais quoi qui donne une apparence de facilité. Ça nous intéresse, nous, comme Français, parce que dans l'école française, on est assez axé sur cet élément de donner l'impression d'apparence de facilité. Donc, plaire avec l'équitation de cour, il ne s'agit plus simplement de vaincre, mais la manière où l'art de l'apparence se développe en Italie, des Français comme Pluvinel s'initient en Italie à la nouveauté équestre. Et ça, c'est un changement parce qu'on sort de la chevalerie et des techniques lourdes. On va vers quelque chose de plus mobile.
Donc la belle manière impose d'affiner l'enseignement, donc de nouvelles techniques d'enseignement, donc production d'ouvrages, de livres, ainsi que les méthodes de dressage qui, à l'époque, et alors là, ça va durer pendant presque 2 siècles, le pilier, les doubles piliers, tous les chevaux passent à ça, parce qu'ils ont besoin de dresser leurs chevaux, d'avoir une maniabilité absolue, pour qu'au combat, ils puissent s'en sortir. Si vous avez les chevaux comme aujourd'hui, qui sont quand même un peu, par rapport à l'équilibre d'avant, très lourds dans les épaules, aucune chance dans les combats de l'époque. Donc, on a besoin de cette mobilité. Et on retrouvera ces éléments-là dans l'instruction du roi, cet ouvrage qui est paru, qui a été écrit en partie par Pluvinel. Et ça veut dire qu'on a, dans cette période-là, on est à la fin des guerres de religion, va s'ouvrir en France la première académie. Il y en avait peut-être eu avant, mais la première académie, alors il y aura peut-être des nouveautés, en tout cas 1594, c'est Pluvinel qui crée cette académie. Alors on a ici des gravures intéressantes, vous pourrez les voir en détail puisque grâce à la fédération on a ces éléments qui sont présentés en grand et dehors. Moi j'ai pris peut-être pas tout à fait les mêmes pour que ce soit un peu différent parce qu'elles sont dans le décor de Paris et du Louvre, mais elles sont originales, hein, c'est sûr. Donc là, on a le travail autour du pilier, on fait tourner le cheval, on va l'asseoir pour, comme on dit, allégérir les épaules, c'est-à-dire les alléger pour avoir un cheval qui tourne. C'est l'opposé de l'équitation d'aujourd'hui. On a les chevaux que les cavaliers de l'époque ont dit, mais on ne peut pas s'en servir, on ne peut pas tourner avec ces chevaux-là. Donc cette technique de travail autour du pilier, elle a été ramenée par Pluvinel, elle sera diffusée en France et en Europe, parce que de partout, que ce soit Hollande, Angleterre, Italie, France, on fait du travail selon cette technique-là. Alors on importe aussi, et ça on le trouve dans le bouquin de Pluvinel, des morts qui sont assez exceptionnelles par leur puissance. Il n'y a pas de filet. Hein, parce qu'on on met la fausse reine sur l'endroit où on pourrait mettre le filet, comme un pélame, et les branches sont extrêmement longues, puisque la branche entre l'endroit où on attache la reine et le banquet, c'est la même distance qu'entre le banquet et l'œil. Ça veut dire que c'est à peu près grand comme ça. Donc ça représente une puissance, donc il faut absolument avoir la main légère, parce que si vous avez la main lourde, vous vous retournez. Voilà un autre exemple, exercice sans le pilier. Et puis ici, sur le pont neuf, on voit le cheval qui fait l'équivalent un peu d'une pesette. Peut-être qu'il est au terre-à-terre, mais comme il y a des cavaliers devant, les écuyers, il fait certainement une pesade où le cheval est assis. L'école de Vienne continue à faire ce type d'exercice-là. Mais il y aura également la groupade, où le cheval bondit en l'air et groupe sous le ventre les différents membres. Et puis après, il y a la ballotade où le cheval il bondit en l'air, mais il commence à détacher derrière. Pour les experts, les pieds postérieurs ne sont pas exactement au même endroit. Mais le but, c'est d'aller vers la cabriole. Alors, il s'agit de quoi faire, en fait. Il s'agit, dans cette équitation de cour, qui cherche à voir l'esthétique, de parfaire la nature par la subtilité de l'art, nous dira Newcastle, c'est dans l'exergue de son livre. Et à partir de cette époque, le répertoire de l'équitation académique, il est fondé. Et il ne va pas bouger. Deux domaines, les sauts d'école. Saumur continue toujours, cette tradition des sauts d'école. Et puis les airs près de terre et les compétitions internationales utilisent ce répertoire. Alors il y a des cavaliers de génie comme Baucher qui vont inventer des mouvements nouveaux avec un équilibre différent. Ça, ce n'est pas l'objet de notre séance du moment. Donc cet art des apparences se développe avec le spectacle de la cour qui témoigne de cette délicatesse toute de goût qui fait tout le charme français, selon l'expression de Montesquieu. Je trouvais que ça s'appliquait assez bien. Alors la culture de cour apparaît comme une construction sociale. Elle exprime cet art des apparences avec des rituels publics, les carousels. La cour et ses systèmes de pouvoir est aussi un lieu de représentation chargé de produire des images affirmant la toute-puissance du prince ou du roi et la prééminence sociale de l'aristocratie. C'est quand même aussi le but de ces carousels. Alors, quelques années plus tard, Voltaire écrit quelque chose, je trouve, d'intéressant dans l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Il nous dit ceci. « Au tournoi et pas d'armes ont succédé les combats contre les taureaux en Espagne et les carousels en France, en Italie et en Allemagne. » Et il dit « Il s'est fait des révolutions dans les plaisirs comme dans tout le reste. » Je trouve cette phrase pas mal.
On est dans l'époque des carrousels. Voilà un exemple de carrousel. C'est un tableau de Rouet que vous trouvez à Nancy, qui est très grand. Mais j'ai trouvé intéressant, on voit bien que les sceaux d'école servent à orner les carrousels. Hein. Alors Louis XIV au Louvre, avec le grand carrousel de 1662, c'est sûr que sur ce, il y a un livre important qui a été réédité par le musée de Versailles. Il y a beaucoup de planches, hein, mais là, on a en une planche tout le monde. Alors la grâce, cette apparente facilité, c'est ce je ne sais quoi qui va devenir le propre de l'école française en équitation. Et Jean Kelevitch nous dit que voilà, là, le roi de France montre ce je ne sais quoi d'élégance. Et il donne l'impression finalement qu'il a un cheval, mais on ne regarde pas trop le cheval, on regarde surtout lui. Alors on a des académies qui vont se développer, notamment Versailles, la grande écurie, les chevaux de la cour pour le roi et l'école des pages. C'est un élément très important. Et puis cette évolution qui va aller, mais on est toujours sur les mêmes morts, on est toujours sur les mêmes selles, on est toujours sur les mêmes exercices, avec à droite la guérinière, et puis les femmes, qu'on ne voit pas souvent, parce que comme au départ c'est une activité très martiale, on ne voit pas beaucoup de femmes, c'est sûr que ce n'était pas tellement dans leur manière de vivre. Alors vers la période moderne, romantisme et révolution. Le romantisme, ça va ouvrir une période de changement auquel n'échappe pas l'art équestre. C'est, on devrait dire même bouleversement. Alors le 19e siècle, de nouvelles voies sont explorées, l'équitation d'extérieur, l'endurance, le cirque. Et puis des querelles d'école font rage. Hein. Je peux vous dire qu'ils ont imprimé du papier pour se battre en duel par papier interposé. Toutefois, l'écuyer en chef de l'école de Saumur fera le lien entre toutes ces composantes de l'école française, y compris le courant classique qui est représenté par Aubert, et l'écuyer en chef qui restera dans la postérité, c'est quand même le général Lod qui a marqué grâce aux éléments qu'il a puisés dans les différents courants. Alors ces différents courants, ben, au 19e siècle, c'est l'équitation d'extérieur qu'on a appelée anglomanie. Ça va être le cirque avec François Baucher qui prend un lustre. Le lustre s'écroule, du coup il change de manière, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Et puis Aubert qui montre vraiment la tradition classique dans son traité raisonné d'équitation. Et il écrit, c'est le titre, on ne le retrouve plus après, selon les principes de l'école française. Et notre général Lod qui va définir ce que sont les éléments de notre doctrine, avec le calme en avant-droit, et puis l'apparence de l'emploi des seules forces utiles. Là, on est encore dans la recherche d'une apparence qui relie un peu ce qu'on a vu sous la Renaissance. La période moderne, et je terminerai par ça, c'est la Renaissance par l'Olympisme. En fait, on a là quelque chose qui va nous ramener un peu aux origines de confrontation, mais qui ne vont pas être militaires ni martiales, car l'essentiel, c'est de participer. On a bien sûr Pierre de Coubertin qui va relancer avec les premiers Jeux qui auront lieu à Athènes. C'était symbolique. Après Paris, Saint-Louis, Londres, ensuite il y aura la guerre. Donc ce sera plus tard. Et puis seulement 1921, c'est-à-dire qu'il y a eu des compétitions avant, il y a eu des Jeux olympiques avant, seulement en 21, on crée des fédérations qui vont préparer l'existence d'une fédération équestre internationale qui va faire le règlement. Et ce règlement, il y aura deux grands courants, le courant germanique, von Holzig-Berchtet, avec des chevaux très assis, et puis l'équitation française représentée par deux carpenteries. Donc ce sont deux courants complémentaires, mais qui sont de sources différentes, parce que les Allemands n'ont pas eu le bauchérisme, ils sont restés un peu plus classiques. Voilà, impulsion, grâce et légèreté sont les marques de l'école française qui cultive aussi une apparence de facilité. Ça, je crois que c'est vraiment important de garder ça comme image de l'école française, parce que dans cette apparence de facilité, on veut que le cheval évolue comme de lui-même. Et ça, c'est une expression qu'on utilise souvent à Saumur. Il ne faut pas que le cavalier en fasse trop, il faut donner que le cheval fait ça de lui-même. C'est vraiment l'esprit de la Renaissance. Alors cet étonnant parcours que j'ai passé assez rapidement, hein, Italie, Renaissance, guerre, tournoi, carrousel, va succéder donc une Renaissance moderne par le sport.
Alors, si les finalités évoluent, aujourd'hui c'est sportif, avant c'était la guerre, après ça a été de paraître dans les carousels, le goût pour l'art des apparences perdure. On a toujours, peut-être pas vraiment à l'époque d'avant les carousels, mais ça perdure. Et ça reste une composante parfois oubliée de nos pratiques. Donc soyons attentifs à l'image que nous donnons. Depuis la Renaissance, en effet, la question du style est au devant de la scène et marque définitivement la manière française. On est très, on pourrait dire, à cheval sur le style, et ce patrimoine est à protéger, mais pas seulement en apparence. J'ai terminé. Merci infiniment Alain Franqueville pour cette intervention. C'est le moment où les questions vont être posées à l'orateur. Je le dis pour l'orateur suivant qui est déjà en train de bondir comme un jeune cabri sur la scène. Questions qui donc vont s'adresser au public. Donc je vous rends votre micro. Alain Franqueville, dont j'ai omis de préciser qu'il avait fait une partie de sa carrière au cadre noir, mais vous l'aurez compris. Une question. Frédéric Monnier. J'avais une question à poser parce qu'en fait, de la Renaissance à nos jours, ce ne sont plus les mêmes chevaux. Par exemple, à la Renaissance, je pense que c'était des chevaux espagnols, entre guillemets, des chevaux très compacts. Au 19e siècle, des purs sang, ou des chevaux de sang qui sont assez longs et fins. Et de nos jours, des chevaux allemands de dressage, comme on dit, entre guillemets. Et en fait, ces chevaux-là ne se montent pas de la même façon. Oui, alors ça, je dirais, ils ne se montent pas de la même façon. Quand vous dressez un cheval, quand c'était au 15e, 16e, 17e, vous avez l'animal à la même psychologie et la morphologie reste à peu près la même. Les chevaux de l'époque n'étaient pas que ibériques, il y en avait très peu. L'Espagne fournissait peu. On avait beaucoup de chevaux un peu en Italie, il y en avait en France, il y en avait au Danemark, il y en a un petit peu partout. Donc les gens se ressourçaient sur leur élevage national et les chevaux étaient globalement plus petits. Donc penser que c'est le cheval espagnol qui a... Non, il n'a pas marqué. Il y a quelques chevaux, et on le voit sur les gravures, quelquefois vous vous dites, tiens, il a le nez busqué, etc. Mais généralement, vous avez des chevaux qui sont plus petits. Ce n'est pas que les cavaliers étaient grands, parce que les cavaliers de l'époque étaient petits, mais quand on voit leurs jambes par rapport au cheval, on se dit, tiens, le cheval, il est très grand. Non, c'est le cheval qui est petit. Donc la maniabilité, en fait, le cheval était proportionnel à nos dimensions actuelles, mais en plus petit. Ça ne les a pas empêchés de trouver des tempéraments différents, mais surtout d'avoir des techniques de dressage qui étaient communes dans les différentes régions du monde. On ne peut pas dire à l'époque qu'il y avait une équitation française, une équitation italienne, une équitation allemande. Non, c'était un peu la même chose. Ils préparaient des carousels, les techniques étaient les mêmes. Après, c'est vrai que la diversité et puis l'impression, donc on a écrit des documents, a fait que les nations se sont un peu plus appropriées leur propre style. Et nous, on a été vers ce style d'élégance. Les Allemands ont été vers plus de précision. Les Ibériques ont été vers plus d'expression. Et tout ça, aujourd'hui, on voit bien que ça se rejoint, puisque les chevaux ibériques d'aujourd'hui ont des aplombs bien mieux que ce que j'ai connu autrefois, et ils peuvent faire des compétitions. On les a vus briller, ils ont été médailles de bronze ou autre, enfin, dans les compétitions. Donc les techniques restent les mêmes. Et je ne pense pas qu'on puisse dire... Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le dressage, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une influence, une marque trop forte au départ du cheval ibérique. Voilà, Catherine voulait... J'ai dressé à peu près autant d'ibériques que de chevaux germaniques et hollandais, et j'ai appliqué la même technique, quel que soit le cheval. Simplement, les voies ont été plus rapides avec certains et avec les autres plus lentes, mais finalement, à la fin, ils avaient atteint. Loin de là, mais je monte pas mal de pur sang. Et un jour, je me suis amusée à lire Bauchet. Et je me suis dit, mais Bauchet, c'est totalement adapté au pur sang.
Mais c'est pour ça que Boucher est arrivé à ce moment-là, au moment du romantisme, où on avait l'anglomanie et le cheval évolue. Mais c'était oui, nouveau. C'est ce que j'ai voulu dire. Ah oui, le cheval évolue. Mais on avait les pur-sang, d'abord, ils faisaient des courses hein, essentiellement, ils allaient à l'extérieur. Et lui a dit, ce cheval est plus élégant, je peux aussi le dresser. Alors il utilisait des moyens un peu anciens, venant de l'Italie, qu'il a recyclés. Deux autres questions, ce sont les deux seules questions que nous allons prendre, parce qu'après nous serons trop courts. Oui, est-ce que la médiocrité des remontes de la cavalerie française au XIXe siècle, imposée par l'équitation de masse de la conscription, est-ce que cette médiocrité de la ressource équine n'a pas imposé au corps enseignant militaire de développer des pédagogies et des techniques pour tirer parti de ressources qui étaient assez médiocres? Alors effectivement, mais en ça, on était un peu comme nos voisins. Par contre, c'est sûr qu'en France, on a quand même développé beaucoup l'évolution pédagogique. À chaque fois qu'on avait un problème, on pensait que c'était parce qu'on enseignait mal. Ça, c'est le tempérament français. De d'autres parties, on se dit c'est peut-être parce qu'on ne travaille pas très bien, et de même que la musique, on peut faire des fausses notes et tout, il n'y a qu'à faire plus de gammes, et on ne change pas les gammes. Alors effectivement, nous on a eu les haras, alors on ne va pas mettre la faute des haras, hein, c'est quand même, ils ont quand même aidé à structurer l'élevage par rapport aux besoins de la cavalerie, le cheval d'artillerie, le cheval de train des équipages, et puis le cheval pour le hussard, tout ça ils avaient fait quand même des modèles, donc on avait je pense des chevaux qui étaient bien, une conscription qui était d'une durée suffisamment longue. Maintenant, est-ce que l'enseignement était bien fait dans les régiments? On peut toujours estimer que c'est mieux. Je ne sais pas si on a fait la preuve que l'équitation de la cavalerie n'était pas au niveau. Peut-être qu'à certains moments, on a été très bien commandé. On a eu des généraux qui avaient vraiment du génie. Même si la formation des cavaliers, comme avec Napoléon, était nettement insuffisante, et c'est pour ça qu'il veut créer une école, et que malheureusement il arrête en 1815, mais 15 jours après, c'est le roi qui signe la création de l'école de Saumur. Peut-être qu'on avait aussi des problèmes de formation de nos cavaliers. Je pense qu'à l'époque, on n'avait pas une structuration aussi précise avec une école comme on a eu dans la cavalerie à Saumur. Oui, je pense que les prouesses pédagogiques exigées par le corps enseignant ont dû perdurer dans la maîtrise de l'équitation dite française et que ça date justement de la médiocrité et des cavaliers et de leur monture. C'est possible, on a dû compenser à un moment peut-être les faiblesses en se disant on a peut-être des méthodes, mais c'est comme ça qu'ont été inventées, par exemple, le général de Benoît a mis en place les effets de rennes qui ont été repris par la Fédération et le petit bouquin de la Fédération qui a été édité, réédité pendant 30, 40 ou 50 ans. Et tout était fait sur les fameux effets de rennes et combinaisons des jambes avec les mains. Quand j'ai fait mon coup à Saumur, on commençait par ça. Alors, est-ce que ça a avancé beaucoup? Après, aujourd'hui, on a supprimé les effets de rennes. C'est vrai qu'il y a un lien entre la pédagogie, la finalité, mais aussi entre ceux qui appliquent la pédagogie et les règles. Et là, parfois, on peut être trahi. Une dernière question, laquelle question sera rapide et la réponse pourrait l'être tout autant, s'il vous plaît. Encore plus courte. Alors, je reviens un petit peu au présent et j'aurais voulu vous demander ce que vous pensiez de l'arrivée relativement récente de ce qu'on appelle l'éthologie, dont on parle beaucoup, et comment est-ce que ce terme, dont on dit également que ce n'est qu'un retour aux sources, est-ce qu'on avait cette perception, déjà, de l'âme du cheval? Oui, alors de base, ça c'est un peu une mode. Hein. L'éthologie, c'est plus l'observation du comportement animal dans les forêts, etc. Et aujourd'hui, on en a fait un peu une sous-branche, enfin quelque chose. Il y a même une maison spécialisée dans l'équitation éthologique. Bon, pourquoi pas? Apparemment, c'est assez commercial. Je pense que les bons cavaliers, forcément, ils intègrent des éléments de psychologie. C'est évident. Et il n'y a pas besoin de faire de l'éthologie. L'éthologie, c'est un petit peu à part. Mais c'est à la mode et peut-être que ça recentre l'intérêt des enseignants des cavaliers sur quelque chose que parfois on néglige, c'est-à-dire
comment le cheval ressent ce que je lui demande. Est-ce que je lui... Voilà. Ben, ils avaient des méthodes, donc si le cheval il rentrait dans le truc, ils étaient progressifs. Hein. Nous, ça fait des années qu'on a des méthodes dans les reprises de jeunes chevaux. Votre cheval, il fait bien les reprises, vous allez plus loin. Il ne fait pas tout à fait bien, donc vous faites un peu une étape pour aller plus loin. Donc je pense que là, maintenant, il n'y a plus de nouveauté dans la progression des exercices. On a l'échelle de progression qui guide. Donc on a les exercices sont faits et la manière de le demander et la manière de l'obtenir. Dans le point 2 de l'échelle, on a beaucoup sur le contact et la manière dont le cheval va accepter ce contact. Donc on a là des éléments, mais parfois c'est pas connu, parfois c'est un peu oublié, mais c'est sûr que le coup de projecteur qui est donné sur le comportement du cheval à travers l'éthologie, bon, c'est intéressant, mais je